Salut tout le monde, c'est Bid, PokéSession, j'espère que vous allez bien, vous avez vu la vignette, il y a du lourd qui est arrivé, plein de points fusion, des displays, des ETB, et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va s'ouvrir? On va s'ouvrir une petite ETB dans la seconde partie, donc si ça vous intéresse, regardez la vidéo jusqu'au bout, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un maximum de likes, et puis on se retrouve dans les commentaires comme d'hab. Allez, à tout de suite les potes. Bon les amis, j'espère que vous êtes chauds, moi je le suis en tout cas parce que j'ai pas encore ouvert un seul booster de points de fusion. Et là je vais me faire une petite ETB, franchement ça me fait super plaisir, j'espère que je vais avoir un taux de drop assez sympa parce que bon on a vu pas mal d'ouvertures, c'était pas dingue, je pense que vous en avez vu pas mal aussi. Même David K il en a ouvert une dans sa précédente vidéo, c'était pas ouf franchement, donc j'ai un peu peur mais bon, écoutez on va se faire quand même plaisir et on va passer sur le... Franchement je m'attendais pas à ce que le colis il arrive aujourd'hui et en fait il est arrivé, franchement ça m'a fait super plaisir. Du coup la vidéo elle sort plus tard que prévu pour vous, enfin moi je la tourne un peu plus tard pour le coup. Et bon bah écoutez, j'espère qu'on va avoir quelque chose de lourd, une petite alternative. Donc il y en a trois qui m'intéressent, je vais vous dire ça exactement laquelle, enfin lesquelles. On va regarder ça de suite, donc vous voyez bon elle est juste incroyable cette ETB. Donc là, attendez hop je vais faire un petit, voilà comme ça vous voyez bien. Voilà. C'est magnifique, vous voyez le Mac là. Donc on va quand même regarder avant les petites cartes que je voudrais bien dropper. Voilà, vite fait. Donc ça va être très très rapide. Hein. Bon, il y a évidemment ce petit Mew là. Le petit Mew V qui est vraiment sympa. Le petit Genesec V alternatif, très sympa aussi. Mais en premier lieu, évidemment, c'est les trois qui sont là. Donc les trois alternatives ici, l'Ectoplasma VMAX, le Mentali VMAX qui était une promo Jap japonaise, et le Mew VMAX alternatif aussi avec tous les éléments anglais. Vraiment le bus, je crois que c'est un taxi, je vois pas très très bien sur le, c'est un peu petit, je crois que c'est un taxi. Il y a aussi la cabine téléphonique, franchement très sympa. Mais alors, par contre, je sais pas si ça va tomber, parce que je crois que 8 boosters, j'ai un peu peur. Alors attendez, on va les compter, je les ai tous sortis. Ok, donc 2, 4, 6, 8. Ok, est-ce qu'on a des... donc on a okay, un Ectoplasma, Fulgudog, 2 Mew, Genesect, 2 là, 3 et 2. Ok, donc j'ai 3 Mew, 2 Ectoplasma, Fulgudog et 2 Genesect. Donc on va voir ce que ça donne et on va commencer par... petit là, bon, on regarde vite fait comme ce qu'il y a dedans. Donc il n'y a pas de promo, hein. Bon, il y a les jetons comme d'habitude. Bon, les petites règles du jeu, on a ça par contre, elles sont juste les intercalaires, franchement elles sont très jolies, très sympa. Et ça c'est la couleur de l'autre TB du Pokémon Center, donc qui ne sort pas en France visiblement. Bon, on a, allez, un petit code pour vous les amis. On a ensuite les dés, ils sont incroyables, ils sont vraiment super beaux. Bon après ça va pas me servir mais c'est très joli les couleurs. Et évidemment les sleeves, franchement elles sont superbes. Et le seul truc qui est dommage c'est qu'elles sont pas vraiment transparentes. Ça c'est un peu dommage, mais bon c'est pas grave, hein. Écoute, on fera avec. Attends que je foute pas trop de bordel là. Ok, est-ce que j'ai des sleeves dans le coin? Oui, ok, ils sont là, top loader. Oh, on sait jamais, on n'est pas à l'abri de tomber sur une petite alternative, une petite full art. Franchement ça ferait du bien, je vous le cache pas. Bon, alors, hop, j'aurais dû préparer ça avant, désolé les amis. Allez, on commence par ce petit Fulgudog. Donc je sais que, et puis je sais pas si vous avez remarqué aussi, ça a changé les codes promo bad, je peux vous le donner d'ailleurs. Et je sais que le taux de drop il est éclaté, donc bon. Est-ce qu'on voit bien? Ouais, ok. Donc éclat de Dinesia, Torgamore, Colimucus, ok. Skitty, Exadron. Alors par contre, je vais juste regarder vite fait les cadrages. Les cadrages sont de manière générale assez bons, ok. Kellocroc, Faustourneau, Araquin, Cradopo en reverse. Et oh, petite V. Ah, c'est une petite V et ça Dratatin V. Et bah écoute, premier hit, premier booster, premier hit, on prend. Voilà. Bon par contre, comme vous le savez, je vais pas faire le set parce que ça va être juste. J'en ai déjà d'autres à finir.
ça commence à coûter cher, les amis, vous le savez. Donc bon, je vais me concentrer que sur certaines cartes, si j'arrive à les toper, mais bon, j'irai pas les acheter à 200 ou 300 euros. D'ailleurs, n'achetez pas vos cartes tout de suite si vous voyez des ectoplasmas, des mentalis alternatifs, tout ça, achetez pas maintenant, attendez. Même s'ils sont durs à dropper, attendez quelques semaines. On en a déjà parlé pour. C'était même pareil pour Célébration. Pour toutes les séries, une nouvelle série d'ailleurs, faut attendre un petit peu. Ah, je vous ai pas donné le code de celui-ci. Donc bon. Allez, deuxième booster. La petite énergie électrique. Berserk 4. De Galar. Énergie. Point de fusion. Éclat d'Inésia. Trousselin. Feuille à joue. Moumouton. Pandesque piègle, pas mal, j'aime bien. Dura Daru marron, de Galar, Onyx en reverse, et ça sera un petit électrode très sympa qui est pas en reverse, en holo. Mais bon, vous savez que j'aime bien l'électrode. Et bah écoute, très sympa. Bon, c'est pas une quête de dingue, c'est une petite rare sympa, franchement. L'illustration est vraiment, vraiment jolie. Ça en holo, ça aurait été vraiment très très sympa. Le petit Onyx, ok, je mets ça de côté. Bon, donc il nous reste plus que 6 boosters, 6 sur le TB. Donc on va voir si cette TB elle va être éclatée au sol ou pas du tout. Par contre, on remarquera quand même que ce petit booster d'ectoplasma, franchement, il est dingue. Franchement, il est très très joli. Hein. Dites-moi d'ailleurs si vous avez trouvé un peu de points fusion dans vos magasins ou pas encore, parce que normalement c'est en retard. D'autres, certains l'ont reçu, d'autres pros n'ont pas reçu. Enfin bon, c'est un peu galère. Un saut lourdeau, Quillfish, Anchoate, Miaouz de Galar, Tournicoton, Flotajou, Meloetta en reverse. Oh là là, mais. Gros lème, le gros lème. L'illustration est pas mal du tout. Franchement, là pareil. Dommage que ça soit pas holo ça. Enfin, sur cette version là. Parce que je pense qu'elle doit y être en holo aussi. Et en reverse, je suppose. On met ça de côté. Bon, je me demande si je vais pas garder. Non, on a 3 Mew. Allez, je vais me faire un petit ectoplasma. Peut-être que l'ectoplasma il va nous faire tomber quelque chose. Il me faut de la luck. Je vais m'envoyer de la luck parce qu'à chaque fois que je vous envoie de la luck. En général, vous avez quelque chose et souvent, vous avez du lourd, les amis. D'ailleurs, ça me fait penser que demain, pour le live, donc vous savez que demain, je suis en live à partir de 14h pour l'ouverture, le box break. Donc, il y a des boosters qui sont déjà en vente et j'en ai rajouté et je mets une display aussi, donc les boosters à l'unité à 6,90 et vous pouvez les acheter maintenant. C'est tout de suite disponible, ou aussi demain, pendant le live, il y a aussi du Shani Starvé, du Célébration avec du Gardien Ascendant. J'ai 4 displays qu'on pourra ouvrir en live en fonction des commandes, évidemment. Et vous pouvez en commander tout de suite. Tout ce que vous pouvez, tout ce qui sera ouvert demain peut être commandé dès maintenant. Oui, messire. Caninos, Hexadron encore. Morpeko, très sympa. Ce petit Morpeko, Kelorior, Quillfish en reverse, on l'a eu tout à l'heure en normal. Et là, une petite V, Dodrio V. Ok, donc ça fait encore un petit hit. Donc, je vous le dis, les deux hits là que je viens de sortir, Dratatin ce Drodorio, partira dans la boîte à cadeaux, les amis. Ça sera direct cadeau. Pour ceux qui ont un peu moins de chance et qui veulent se lancer dans la collection de points de fusion. Donc évidemment, je compte sur vous demain. Hein. Vous savez que demain, c'est le premier live. Donc déjà, bon, il y a une grosse organisation de ma part. Parce que bon, je serai tout seul. Donc je pense que ça va être sympa. Je pense que ça va être sympa. Je vais essayer d'assurer au maximum pour vous faire plaisir. Puis bon, il me tarde de pouvoir réagir à vos commentaires sur l'instant T. Ça sera beaucoup mieux. Flamme à joue. Mucuscule, ok, alors ça c'est un nom à coucher dehors, embroché, Snubul, Racaillou, Fenard, ah très joli, en reverse, à l'ancienne, comme ça, très sympa,
Est-ce qu'on a quelque chose derrière de sympa? Est-ce qu'on... Et non, Lucano, et vous avez remarqué, là j'ai ouvert donc 5 boosters et 0 holo. On n'est pas sur un braquage là, je vous le dis. On n'est pas du tout sur un braquage. Ouh, je me demande si. Bon, à mon avis, il y a certaines ETB qui ont dû faire tomber du lourd, c'est obligé. Mais là, sur 3 boosters, j'y crois moyen maintenant. Allez. La petite énergie. Ariyama, pas mal. L'illustration, Chapignon, échange croisé, Lixi, Lapourreille. Ah, pas mal. Bargantua, pas mal du tout. Larvibule plutôt, c'est mieux dans le bon sens. Ferrosingue, les illustrations vraiment sympas. Hein. Melmetal en reverse et ça sera un Marakashi. En rien du tout. Ouh, coup dur pour le joueur français là. Coup dur. Et pareil, je vous montre le petite illustration en vrai là. À l'envers, c'est mieux. Sympa, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, les couleurs sont vraiment jolies. Et même l'item en lui-même, l'ETB en elle-même, est vraiment dans une déco là, ça va faire très très sympa. Hop, un petit code. Ou petite énergie feu. Petite énergie feu. J'ai rien pour appeler le. J'ai rien du tout. Ok, c'est pas grave. Bon allez, il me faut du lourd. Le petit dresseur. Pachiraja. Pas mal l'illustration. Zoroark. Ah, j'aime bien ce. Ouh. Tiens, regardez. Et on est dans une ETB. Hein. Ok. C'est complètement. Manger quoi. C'est manger, c'est je sais pas, au niveau de la presse, on le voit peut-être un peu mieux ici ou pas. Si, ouais, on voit bien là. Donc, carte éclatée, Nounourson pas éclaté, Cryptero, Toxizap, Kaminus, j'aime beaucoup Kaminus, c'est un Pokémon que j'aime beaucoup. Lapourreille encore une fois, Grelot d'adieu en reverse. Et on aura un Muplodocus en rien du tout. L'illustration, je suis mitigé. Je sais pas. Vous me direz ce que vous en pensez. Dernier booster, les potes. Alors là, je vous le dis, je pars défaitiste. Je perds à domicile. Je perds à domicile là. Si vous avez ouvert, d'ailleurs, si vous avez ouvert du point de fusion, là, dites-moi ce que vous avez eu. Vous avez du lourd et dans quoi? Est-ce que vous avez des tripacks, des boosters à l'unité, display? S'il y en a qui ont ouvert des displays entièrement, ça serait intéressant de voir en fonction de, enfin, du taux de drop. Chelours. Disparaît-il? Racaillou. Gripatte. Trousselin. Feuillajou. Par contre, ça va tomber. Pendespiègue, ça va tomber régulièrement. Écolis en reverse. Mon Dieu, on est sur rien du tout. Oh, par contre, il est très joli. Arcanin en rien, mais franchement, très joli. Je sais pas ce que vous en pensez, mais bon, j'ai pas de VMAX. J'ai fait tomber 2 V et elle sera pour vous, les amis. Ça sera dans la boîte à cadeaux. Donc là, pour moi, c'est coup dur pour le joueur français et à domicile. Donc là, franchement, je pense qu'on ne pourra pas faire. On peut faire que mieux, en fait. On peut faire que mieux, en réalité. Donc bon, bah écoutez, on va passer sur l'autre cam. Donc voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura quand même plu. Moi ça m'a fait plaisir d'ouvrir parce que franchement, bon déjà quand tu ouvres une nouvelle série, bah tu sais, t'as le petit truc qui te dit est-ce que je vais faire tomber le truc, tu découvres les nouvelles cartes, les nouvelles illustrations, tu espères un petit ectoplasme alternatif, il serait tombé, franchement ça aurait été bien. Bon bah écoutez, tant pis. En attendant, on est quand même sur une belle illustration. Hop, on voit bien là, ok. Donc là, voilà, c'est très joli ça. Dans une déco,
Bah, je pense qu'il y en a une quelque part par là. Voilà les amis, de toute façon, on se retrouve demain en live 14h. Vous pouvez commander vos boosters dès maintenant et demain pendant le live. Je compte sur vous, sur votre soutien. Mettez un maximum de j'aime sur cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche et puis mettez un maximum de commentaires. Dites-moi ce que vous avez pensé de l'ouverture. Évidemment, c'est un peu éclaté, je sais, mais bon, on sait jamais. Et dites-moi ce que vous avez eu dans vos ouvertures, évidemment. Et on se dit à demain à 14h, les amis.